Coucou tout le monde, salut à tous et à toutes, c'est Bestie. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la frappe Solus de Zelda Skyward Sword sur Wii. Voilà, donc dans la dernière vidéo, on avait fait plein de choses qu'on avait fait. On avait fait des quêtes secondaires, des mini-jeux. On avait fait aussi. On avait eu la troisième flamme. Et on doit retourner à la porte du temps. Bah donc la porte du temps qui est dans le Vallon du Sceau, où on va y aller. Alors cette vidéo risque d'être assez courte dans le sens où j'avais prévu de faire qu'une seule chose. Vous allez voir ce que c'est de toute façon. Donc quand je dis courte, c'est vers les 30 minutes, 35 minutes on va dire, hein. C'est dans ces eaux-là. Pointez l'endroit où vous souhaitez atterrir. On va essayer là. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire en début de vidéo. Ah putain, je trouve que c'est la classe, mon épée là. Elle a la classe. Hein. J'ai la puissance maintenant. Regardez, je vous l'attends deux coups. La tronche du gobelin derrière. Crâne décoratif. Bon, on en a déjà plein. De toute façon. Je l'ai dit, je le redis, je le re-redis, je n'ai plus besoin d'objets maintenant, donc voilà. Alors pourquoi je me suis téléporté ici et pas autre part? Tout simplement parce que... Oh, te revoilà. Il y a plein de types bizarres qui rôdent là en bas. Tu voudrais pas les chasser comme la dernière fois? Tu sais quoi, j'ai aperçu des papillons azur pas loin d'ici. Dommage que j'y connaisse rien en musique. Si seulement je savais jouer d'un instrument. Oh, ça pour une surprise! Quelle trouvaille, c'est la découverte du siècle! Cette marque sur le mur, nous sommes devant l'un des murs de la déesse, dédié au héros, ça fait aucun doute. Hop, on va annuler. Tout simplement parce que normalement... Oh, te revoilà. Il y a plein de types bizarres qui rôdent, oui, d'accord. Tu veux savoir ce qu'ils disent? Bien sûr. Une flèche horizontale, c'est ce que doit tracer celui qui veut transpercer une cible au loin. C'est ce que disent les écrits anciens, tu y comprends quelque chose? Voilà, donc en fait, d'après ce qu'il vient de dire, il faudra qu'on dessine ce qu'il vient de dire justement sur le mur. Donc c'est parti. Alors on va essayer de dessiner une flèche, ce qui n'est pas... Voilà. Wouah, épatant! Alors c'est à ça que les écrits anciens faisaient référence quand ils parlaient de transpercer une cible au loin. Tiens, je te donne ça pour te remercier de m'avoir aidé dans mes recherches. Vous avez obtenu un fragment de cœur. Le mur de la déesse va mettre un peu de temps pour se régénérer, reviens me voir un peu plus tard pour m'aider dans mes recherches. Voilà. Donc il m'en manque plus qu'un pour terminer la quête d'avoir tous les cœurs en fait. Donc n'oubliez pas de venir le voir justement pour avoir ce fragment de cœur qui est assez simple à avoir, hein, ou de toute façon vous venez de le voir. Ah, donc on revient ici. Oh, ton épée, sa lame a été purifiée par les trois flammes. Bravo Link, ton épée déborde d'une grande puissance. Cette puissance, oui, c'est la force. La puissance sacrée que les anciens dieux ont insufflée en ce monde, la grande puissance que mentionne le chant de la déesse. C'est elle qui circule à présent en toi et dans ton épée, ça ne fait aucun doute. Bien, Link, l'heure est venue d'ouvrir la porte du temps. Avec cette puissance, avec la force, il ne fait aucun doute que l'éclat céleste pourra activer la porte du temps. Depuis cette estrade, insuffle la force de ton épée à la porte du temps. Voilà, alors avant d'oublier, voilà, j'équipe mon arc. Wouah! Il semble que le sceau ait à nouveau été brisé. La créature est sur le point de s'éveiller. Elle a dû réagir à la puissance sacrée maintenant de ton épée.
C'est le prix à payer pour ouvrir la porte du temps. Link, tu dois emprisonner ce monstre encore une fois. Ah, c'est pas trop tôt, ça va chauffer. Le moment de tester mon arme secrète est enfin arrivé. Avec ça, il va pas faire un pli le gros tas d'écailles. C'est pas le moment de rêvasser, je pars devant, grue-toi. Voilà, donc comme elle vient de le dire, on va devoir recombattre le banni, hein, le banni qui est le monstre qu'on a enfermé dans la stèle. On va devoir le rebattre une deuxième fois, et même une troisième fois plus tard dans le jeu, vous allez voir. En tous les cas, il faut qu'on le rebatte. Et oh, Link! Hé, sous tes yeux ébahis, voici l'ultime arme super secrète du grand Ergo. Son petit nom, c'est la Mégatapulte. Je vois que t'en restes coin, et c'est bien normal, ce n'est qu'au bout d'incroyables efforts que j'ai réussi à construire ce chef-d'œuvre. Regarde un peu ça. J'ai déblayé la zone entière pour pouvoir installer le rail qui permet de déplacer cet engin, et j'ai tout fait tout seul. Ah, je m'étonne moi-même, tout ce talent qui ne demandait qu'à s'exprimer. Il ne te reste plus qu'à utiliser cette machine de rêve pour lui faire la tête au carré à ce démon. Une seule de mes petites bombes dans ce gros tas, ça devrait le calmer un petit moment. Enfin, c'est bien joli, mais ce démon arrive un poil trop tôt. La machine a encore besoin de quelques réglages avant de fonctionner parfaitement, je te préviendrai. Quand tout sera prêt, alors tiens bon jusque là, pas de problème. Alors, avant tout simplement... Alors, c'est parce que je veux voir quelque chose, voilà. C'est celle-là... Alors, c'est celle-là qu'il faut que... C'est-à-dire... Attendez, parce que je suis en train de voir justement quelque chose. Ça doit être celle-là, en fait. Je vais placer un marqueur là-dessus, tout simplement parce que... On va en avoir besoin. Alors, c'est reparti, on va aller affronter encore le banni. Wouhou. Oh, quelle vilaine créature. Voilà. Et le banni a évolué parce qu'il a des mains maintenant, vous le voyez. Je crois qu'il avait déjà des mains en fait. Non. Ah bah non, non, non. Il n'avait pas de mains. Et là, il en a. Voilà. Et en plus, vous voyez qu'il crache de l'électricité maintenant. Quand il avance. Oh oh, on dirait qu'il s'est acheté une paire de bras, très bien, c'est pile le moment de montrer ce que ma mégatapulte a dans le ventre. Je te ferai signe dès que je serai prêt, alors tiens bon en attendant. Bah, je vais essayer. Voilà, à quoi sert, justement. Oh putain, il se rapproche trop vite de moi. Ah, le petit enfoiré. Voilà, alors en fait, quand il fait ça, normalement, on va pouvoir, avec Ergo... Hey, Link, mon engin est fin prêt. Tirons sur ce monstre pour l'empêcher d'escalader le mur. Appuie sur la flèche du haut quand tu as besoin de moi et de ma machine. Hop, donc là, on fait appel à lui. Ouais, à moi de jouer. Déplace la machine avec le joystick, hein. Et vise avec la télécommande Wii, ensuite tire une bombe avec A et profite de ce que le démon soit sonné. Si tu ne te souviens plus des commandes de la machine, consulte-les pendant que tu le dises en appuyant sur 2. Alors, donc là, on vise et on tire, tout simplement. Voilà, alors normalement ça va le faire lâcher prise. Alors qu'est-ce que tu dis de la puissance de mon engin? Ça t'embouche un coin, hein. Bon, je recharge la bête, alors tiens bon jusqu'à mon prochain signal. Oh putain! Alors là, il faut que je me grouille, parce qu'en plus j'ai plus de flèches. Putain, je gaspille mes flèches. Voilà. Donc c'est pour ça que vous devez avoir beaucoup de flèches, parce que les flèches sont assez pratiques, vous le voyez. À l'épée, ça aurait pris trop de temps. Quoique...
Voilà, donc là, comme d'habitude, il faut le faire 3 fois. Seulement, je pense que... Ah, on peut faire appel à Ergo. Hop, en plein dans sa tronche. Voilà. Donc en fait, faut profiter de ce moment pour l'attaquer. Seulement, ça dure pas longtemps. Ok, c'est bon. J'ai réussi à le calmer. Putain, mais... J'ai plus de flèches! C'est le bordel! Ok, donc... Alors, je veux voir... Link! Voilà, donc apparemment, Ergo, on peut l'utiliser encore. Sauf que là, c'est pas vraiment le moment. Oulala, alors là apparemment il va aller en haut. Yahoo! Link! Alors, je sais pas jusqu'où il va s'arrêter. Putain, il monte rapidement, vous voyez en bas à gauche là. Putain, mais t'as fini de monter là? Voilà, alors là on va refaire appel à Ergo vite avant qu'il ne m'atteigne. Voilà. Alors faut qu'on fasse vite parce que la dernière phase c'est justement la plus dure. Ah putain l'enfoiré. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, c'est justement de le ralentir avec une jambe. Voilà, de le ralentir en fait avec une jambe, comme ça, ce sera plus facile de le marteler. Je ne sais pas. Voilà. Ça va, c'est bon. Je m'en sors pas trop mal. Bon, faut juste que j'aille derrière lui. Hein? Je suis où là? Il est où le... Putain, il est en... Oh là là, c'est le bordel. C'est le bordel. Et où est-ce qu'il est? Oh putain, il est là. Merde. Vite. Et voilà. Donc là on vient de le battre, je vous le dis tout de suite, enfin je l'ai même déjà dit mais je le redis, qu'on va devoir encore l'affronter une troisième fois et peut-être même une quatrième fois en fait, je ne sais pas. En tout cas le banni on le retrouve assez souvent dans le jeu. Ouais, donc va falloir qu'on aille sceller encore la stèle. Maintenant, Link. Utilise ton éclat CS sur le pilier de pierre, vite. Ça va, j'ai pas perdu beaucoup de cœurs alors, parce que normalement, contre le banni, vous perdez énormément de cœurs. De toute façon, j'ai perdu énormément de flèches en fait. Alors là, faut reproduire. Yeah, c'est la classe.
Ça, c'est la classe. Link a la classe. Bien joué, Link. Allez, remercie-moi. Bon, il faut aller activer la porte du temps. Maintenant, j'y cours, j'y vole. Moi aussi, faudra qu'on aille activer la porte du temps. Tiens, on va commencer par monter. Ouhou. Yep, et voilà. On est un petit peu très loin là même. Youhou. On va aller activer la porte du temps. On a combien? 15 minutes. Ouais, ça va être rush quand même, hein. Ça va être chaud. La créature est enfermée à nouveau. Link. Et toi, Ergo? C'est grâce à vous deux. Hé hé, arrête, mamie, tu vas me faire rougir. Et puis c'est toi qui m'as montré quoi faire quand je pleurnichais comme un bon à rien. C'est parce que tu en avais la force. Link, il est temps de te parler de la vraie nature de ce démon. Sache qu'il est la source de tout le mal. Lorsque tu auras passé la porte du temps, tout sera clair. C'est un être terrifiant. On aura beau l'emprisonner, il parviendra toujours à briser les liens qui l'entravent. Pour en venir à bout, il faut l'éliminer. Son essence même. Dépêche-toi, Link, utilise l'éclat céleste. Concentre la force dans ton épée et envoie l'éclat céleste dans la porte du temps. C'est bien ça, mamie. En effet, va, Link. Je me suis un peu gratté la joue, voilà. Même si c'est complètement inutile de vous dire ça. Donc on va... Voilà. Et voilà, nous avons ramené la porte du temps en état originel. La porte est enfin réveillée, Link, ne crains rien. Cette porte transcende le flot du temps, par-delà des océans d'éternité, elle te mènera vers le passé, là où se trouve Zelda. Va, franchis la porte et retrouve celle que tu as cherchée pendant si longtemps. Merci. J'y vais. Ouais, moi je vais rester ici. La vieille a dit que le monstre pouvait revenir à tout moment. Vaut mieux s'y préparer, tu vois. Faut aussi s'occuper de mamie. Et puis... Non, rien. Petit Ergo, petit sentimental. Bon, faudrait peut-être se dépêcher là. Passe le bonjour à Zelda.
Alors, je l'ai peut-être déjà dit, mais dans tous les cas, je le redis. Ça, c'est bien ma phrase, ça. Je l'ai peut-être déjà dit, mais je le redis. Je trouve que, voilà, la petite animation comme ça du tunnel, là, ça me fait un peu penser comme dans Twilight Princess. Vous savez, quand on franchit le miroir des ombres pour arriver dans l'autre monde, ça me fait, franchement, enfin, ça me fait penser à ça. Sois le bienvenu, Link. Je t'attendais. Il te faut m'écouter sans crainte. Nous sommes dans le temple d'Ilia, qui deviendra plus tard le temple du Sceau. En ces temps reculés, bien avant que tu ne viennes au monde, la déesse vient d'emprisonner l'avatar du néant. C'est également ici que Salesbourg a trouvé son origine, lorsque le village arraché de ses terres s'est élevé au-dessus des nuages. Oui, en traversant la porte du temps, tu as voyagé vers le passé. Fais taire les questions qui se pressent dans ton esprit, dirige-toi à présent vers la grande porte du fond. Celle que ton cœur désire ardemment protéger t'attend. Ouais, donc normalement cette porte est fermée hein, dans le futur, mais apparemment dans le passé elle est ouverte. Donc c'est parti, on va y aller. Et on va retrouver Zelda. Tu as réussi à me retrouver, Link. Nympha t'a déjà dit où nous sommes, n'est-ce pas? Dans un lointain passé. À une époque où les blessures de la Terre causées par le combat entre la déesse et l'avatar du néant ne sont pas encore refermées. Oui, la légende que l'on raconte à Salesbourg est vraie. Laisse-moi tout te raconter. La Triforce est le pouvoir suprême créé par les anciens dieux. Elle permet à celui qui le possède de tordre la réalité pour assouvir tous ses désirs. Ainsi, l'avatar du néant, qui voulait conquérir le monde, tenta de s'en emparer grâce à ses armées de démons. La déesse qui craignait le pire détacha une partie de la terre et envoya ainsi les humains et la Triforce dans le ciel. C'est ainsi que naquit Salesbourg, notre terre natale. À l'issue d'une terrible bataille, la déesse Ilia enferma l'avatar du néant. Cependant, il apparut que le Sceau ne pouvait tenir très longtemps face à sa puissance colossale. Si l'avatar du néant se libérait, la déesse gravement blessée durant la bataille ne pourrait plus rien faire contre lui. Ainsi, la libération de l'avatar du néant aurait signifié la fin du monde. Pour tenter de les détruire à tout jamais, la déesse mit alors au point deux stratagèmes. La tronche de Link. Ah bon? Le premier fut de créer Fey, un esprit qui reposerait dans l'épée que tu portes afin de guider l'élu. La seconde fut d'abandonner son enveloppe divine pour se réincarner dans un corps humain. Ainsi, afin de détruire l'avatar du néant, Ilia se résolut à utiliser le trésor des anciens dieux. Bien que de conception divine, la Triforce renfermant le pouvoir suprême ne pouvait pas être utilisée par ses créateurs, les dieux. Alors, pour pouvoir accomplir ce miracle, la déesse fit le choix d'abandonner ses pouvoirs divins et son corps immortel. Comprends-tu, Link? C'est toi l'élu de la déesse. Quant à la réincarnation d'Ilia, oui, c'est bien moi, Zelda. Non, c'est vrai, on s'en doutait pas. Une seconde, là vous m'apprenez quelque chose. Le jour de la chevauchée céleste, j'ai été emporté par la tornade créée par Geraim et je me suis écrasé sur terre. Mais au moment où j'allais tomber entre les mains des démons, l'ancienne est intervenue pour me sauver. Puisque j'avais perdu les souvenirs d'Ilia, elle me révéla alors qui j'étais vraiment et ce que je devais faire. Je m'en rendis donc dans tous les temples pour prier devant les statues de la déesse. Les statues me rendirent la mémoire et c'est guidé par Impa, la servante de la déesse, que je suis retourné dans le passé. Tout cela pour empêcher le retour de l'avatar du néant. Link, le sceau a privé l'avatar du néant de sa forme humaine, le forçant à adopter celle d'un monstre. Mais même ainsi, il reste assez puissant pour détruire le monde. Il faut absolument l'empêcher de se libérer du sceau. À présent, je vais m'efforcer de consolider le sceau ici à cette époque. Tant que je resterai ici, je pourrai peut-être le tenir enfermé jusqu'à notre époque. Maintenir le sceau que la déesse Ilia, que j'ai créé dans le passé, c'est là ma destinée, je l'ai compris en recouvrant la mémoire. Link, l'une des raisons pour lesquelles la déesse t'a confié Fey, l'épée ultime, c'est pour que tu terrasses l'avatar du néant, cet énorme démon que tu as déjà combattu. Tu l'as déjà repoussé par deux fois et je t'en remercie, Link.
Tu as beaucoup appris pendant ton long voyage. Tu as acquis la sagesse en résolvant de nombreuses énigmes, la force en maniant en épée, et le courage en surmontant les épreuves de la déesse. Donc vous pouvez voir que ces trois mots, hein, ça s'agit en fait de la Triforce. Tu es prêt à recevoir le trésor des dieux, la Triforce. Tiens, bah justement, elle le dit. À genoux, proche chevalier. Jeune héros, tu as su braver 1000 dangers au péril de ta vie pour ces terres gagnées. Sagesse, force et courage en toi, je reconnais la lame de la déesse, en tes mains je remets. Que toi, le fier enfant et ton épée loyale receviez le pouvoir d'éradiquer le mal. Et là, attention! La lumière qui émane de ta main est la preuve que tu es le héros investi de l'énergie sacrée. C'est le symbole de la Triforce. Bien, Link, dégaine ton épée. Et c'est parti! Grâce à la bénédiction de la déesse, l'épée de légende a atteint le paroxysme de sa puissance. Vous seul pouvez manier cette épée qui renferme le pouvoir ultime contre les forces du mal. Voilà, donc là on vient vraiment d'obtenir Excalibur, l'épée de légende, en pleine puissance. Link, je te dois des excuses, le symbole qui est apparu sur ta main est l'emblème de la Triforce, le pouvoir suprême. Si tu parviens à trouver la vraie Triforce, elle te donnera le pouvoir de détruire définitivement l'avatar du néant. Mais rares sont ceux qui peuvent utiliser son pouvoir car il requiert de posséder un esprit extrêmement fort. Personne ne sait pourquoi les anciens dieux ont créé la Triforce. Mais pour moi, si les dieux ont créé un pouvoir qu'ils ne pouvaient eux-mêmes utiliser, c'était pour donner espoir aux mortels. Et puis, pour détruire l'avatar du néant, la déesse a choisi un esprit fort. Et cet esprit, c'est toi. Cependant, pour utiliser le pouvoir suprême, il a fallu éveiller le héros qui sommeille en toi en te faisant passer de nombreuses épreuves. C'est pour cette raison que la déesse, sachant que tu braverais toutes les épreuves pour me sauver, je t'ai utilisé. Oh mon dieu! It's not possible! Link, je suis désolé de t'avoir fait subir tout ça, mais de ce combat dépend le sort du monde entier, c'est pourquoi j'ai besoin de toi. Oh, ça rime! Quelle poésie! Je sais que j'ai l'air de me donner des excuses, mais je vais assumer les conséquences de mes actes. Pour assurer la pérennité du sceau, je vais rester ici et me plonger dans un sommeil millénaire. Link, je suis sincèrement désolé, excuse-moi encore. Jusqu'à ce que la mémoire me revienne, je ne savais pas non plus qu'un tel destin nous attendait. Alors que j'aurais souhaité que nous puissions simplement être ensemble... Link, même si je suis la réincarnation de la déesse, je reste la fille de mon père et ton amie d'enfance, la Zelda que tu as toujours connue. Si l'avatar du néant est définitivement détruit, le sceau n'aura plus lieu d'être et je pourrai me réveiller. Link, je ne compte plus le nombre de fois où je suis allé te réveiller parce que tu dormais encore. Viendras-tu me réveiller à ton tour, juste pour cette fois? Oh, là on a plein de réponses. Donc on va dire « je le promets hein. ». Mais t'inquiète pas, on va lui botter la tronche à ce machin truc là. Ouais, donc on peut voir Zelda qui est dans un cristal de résine apparemment, je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que c'est orange, donc à mon avis c'est de la résine. Hein. Ah, on a l'épée la plus puissante du jeu. La porte se ferme. Voilà, c'est fini. Enfin non, c'est pas fini, mais bon. Voilà, la cinématique est finie. Ainsi, vos chemins se sont séparés. N'oublie pas ta promesse à Dame Zelda et mets-toi en quête de la Triforce. Retourne dans ton époque et achève ce que tu as commencé.
N'aie aucune crainte, j'assurerai la protection de Dame Zelda, va à présent, ton destin t'attend. Voilà, alors c'est parti, on retourne. On va retourner dans notre époque. Et on va devoir chercher la Triforce. Alors je sais déjà où elle est, mais bon, pour justement aller la chercher, on est obligé de faire plein de choses avant. Ce qui est un peu normal. Tu es de retour, Link. Alors tu sais tout à présent. Derrière cette porte, Zelda est plongée dans un profond sommeil. Ne craint rien, elle est toujours en vie. Comme le dit la légende, la déesse a dissimulé la Triforce, la puissance qui éliminera l'avatar du néant à Célestbourg. Mais nul n'en connaît l'emplacement exact, il n'a jamais été révélé. Link, comme tu l'auras compris, la clé pour trouver la Triforce se trouve quelque part à Célestbourg. Va et trouve la Triforce. Hé, pas si vite. Link, j'ai deux mots à te dire. Dis, Zelda, elle va bien. Oui. C'est vrai, tant mieux. Mais c'est pas encore fini, hein. Tu sais, Link, j'ai décidé que je rentrerai pas à Célestbourg. Je vais vivre ici avec la vieille. Hé hé, fais pas cette tête, c'est ma décision. Comment dire, j'ai le sentiment que j'ai encore des trucs à faire ici. Il faut surveiller le gros monstre et puis il faut s'occuper de mamie et enfin, tu vois quoi. C'est peut-être pas aussi classe que ta mission, mais c'est quand même un sacré boulot. Et puis, je me plais bien ici. C'était sympa de vivre dans le ciel, mais j'aime bien avoir les pieds sur terre. Regarde ça. Grâce à Zelda et mamie, cette terre est à nouveau pleine de vie. Si on plantait une pousse ici, je suis sûr qu'elle deviendrait un grand arbre costaud. Et peut-être que cet endroit, je n'ai pas réussi à lire. Enfin, ça prend des années pour qu'un arbre machin, ouais. C'est comme ça que je vois les choses en ce moment. Et donc, comment dire, si tu retournes à Célestbourg, passe le bonjour à tout le monde de ma part. Mes compères s'en remettront sûrement pas, mais dis-leur que je me plais bien ici. Je compte sur toi, Link. Voilà, donc en fait, ce qu'il vient de dire au niveau de la pousse, bah en fait, ça va nous servir plus tard dans le jeu. Ça sera très important même. Wow. Il y a un insecte ici. Je peux pas l'écraser. Non. Tant pis. Alors, ce qu'on peut peut-être apercevoir ici, c'est... Vous voyez, là, il y a Zelda... Il y a la végétation, bien évidemment, qui a poussé autour. Parce que là, on est dans le futur. Mais Zelda est bien ici. Voilà. Quelle heure il est? 33 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, bah, on va aller là-bas. On va retourner à Célestbourg et on va s'arrêter là-bas. Donc voilà, je vous avais dit qu'il allait rien se passer de trop, comment dire, action, on va dire. Hein. Il va rien se passer de très palpitant. Tiens, c'est moi ou ton épée a changé depuis la dernière fois? Tu voudrais pas t'en servir pour chasser ces types en bas comme l'autre fois? En tout cas, quoi qu'il arrive, je dois poursuivre mes recherches. Il faut attendre un peu avant que les murs de l'EDS se régénèrent. Quand ce sera fait, je compte sur toi pour m'aider dans mes recherches. Voilà, alors maintenant la toute nouvelle puissance d'épée, elle est super classe l'épée quand même. On a toujours deux coups à donner apparemment. Bon, eh mais tu me casses les couilles là. Un cœur s'il vous plaît, non. Bon, tant pis. On va retourner dans le ciel, putain sa gueule dehors, génial. Yahoo! Voilà, on va retourner à Célestbourg. Alors, la Triforce, c'est à Célestbourg, je sais exactement où, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, on peut pas y accéder. On est obligé de faire des quêtes avant. Va falloir aussi qu'on fasse les quêtes secondaires, parce qu'on en a encore plein à faire. Allez, faut que tu montes. Allez, vas-y, monte, monte, monte. Voilà. Youhou! Voilà. Oulala, la Wii est en train de charger. Putain, mon épée a la classe quand même, hein. C'est un truc de ouf. Mais bien évidemment, quand l'épée a la classe, bah il faut que le bouclier l'ait aussi. Et il va falloir qu'on aille chercher le dernier bouclier du jeu, mais ça sera beaucoup plus tard dans le jeu. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera pour la suite de Zelda Skyward Sword. Prenez soin de vous, aimez mes vidéos,
Mettez un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et bah, à plus tout le monde!